Aujourd'hui, nous sommes sur les Allées Jean Jaurès. Nous avons mis en place une journée de la propreté. C'est une journée pour les Montrougiens. Ça leur permettra d'aller à la rencontre de leurs agents afin de découvrir comment s'organisent les tournées de propreté sur nos quatre secteurs, quels sont les véhicules que nous pouvons utiliser au quotidien. Ils sont tous présentés aujourd'hui le long des allées. Que le cadre de vie n'est pas simplement restreint à des espaces verts ou des espaces dits beaux, mais que pour l'accompagner, pour qu'il soit réellement approprié par les habitants, il faut aussi qu'il soit agréable, propre, parce qu'on sait très bien que la saleté attire la saleté et qu'il faut au quotidien œuvrer pour qu'il y ait une bonne gestion des espaces publics, mais qu'il y ait aussi une sensibilisation auprès des habitants pour que l'espace public soit respecté et soit agréable pour tous. On fait partie du conseil municipal des enfants. On va la journée propreté et on va faire une collecte de déchets. On va aussi exposer nos affiches ici présentes. On a pas mal de thèmes du coup pour inciter les gens à faire le tri des papiers, des déchets, du plastique et éviter par exemple de prendre la voiture pour ne pas aller très loin. Notre ville a énormément d'agents et on a beaucoup de machines et tout, mais malheureusement, le truc c'est qu'ils font un excellent travail et franchement, je pense que c'est aussi aux citoyens de faire un peu de travail aussi. Comme celui-ci aujourd'hui, ça permet d'une, en fait, les habitants se rapprochent de nous pour voir les facettes, en fait, les différentes facettes en fait de notre métier, et en même temps ramener les enfants et voir en fait tout le matériel en fait qu'on a, en fait, qu'on dispose pour pouvoir en fait faire notre travail au quotidien.